Les Africains ont peur de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Les Africains de France se mobilisent pour le vote, tout sauf le RN, dont le Front National. Mais les Africains n'ont en réalité aucune raison d'avoir peur. Les Africains doivent d'ailleurs souhaiter l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement en France. Pour un certain nombre d'arguments, je vais vous donner un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur du bénéfice de l'arrivée du Front National au pouvoir en France. Déjà, en gagnant la majorité au Parlement et former le gouvernement, et ensuite plus tard prendre l'Élysée. La France a toujours été gouvernée par ceux qui se considèrent comme les amis de l'Afrique. Les démocrates, les républicains, la droite et la gauche. Il y a toujours une alternance entre le Parti socialiste et le Parti républicain, la droite. François Mitterrand, socialiste, a gouverné la France, mais a participé à la France-Afrique en pillant l'Afrique. François Mitterrand est à l'origine du génocide rwandais, avec son soutien à Habyarimana, le président Hutu. François Mitterrand est responsable de l'hécatombe du chaos du Cameroun, en ayant favorisé l'arrivée de M. Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Et aujourd'hui, on sait que le Cameroun est le pays le plus mal gouverné de la planète. Giscard d'Estaing est l'homme des diamants centrafricains, a pillé la Centrafrique, a participé aux coups d'État centrafricains qui ont fait de ce pays-là l'un des pays les plus pauvres du monde. Giscard d'Estaing a mis du plomb dans les ailes de développement de Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire. Ça, on le sait. Donc, Giscard d'Estaing, homme de droite, n'est pas un ami de l'Afrique, n'a jamais rien fait pour l'Afrique. Que dire de Jacques Chirac? Jacques Chirac, monsieur France-Afrique aussi, qui n'a en rien aidé l'Afrique à pouvoir se départir donc de ces accords coloniaux signés par De Gaulle, l'homme de droite, le républicain. Vous pouvez citer n'importe quel chef d'État français, aucun n'a voulu l'émancipation de l'Afrique. Or, tous sont de la droite ou de la gauche. Cette frange républicaine qui aujourd'hui se mobilise contre l'extrême droite qui n'a jamais dirigé l'Afrique, l'extrême droite n'a jamais été aux affaires. Donc, ça c'est l'un des premiers points qui plaide en faveur de la rupture avec ce classique français hypocrite qui, de toutes les façons, puise au minimum 40% de ses richesses dans le pillage de l'Afrique. Et ça, c'est pas l'extrême droite. Deuxièmement, l'extrême droite a bien le droit de gouverner aussi, a bien le droit d'arriver aux affaires. Au nom de quelle logique démocratique une entité, un courant qui a quand même une forte représentation dans les causes sociales en France ne devrait pas arriver au pouvoir? Au nom de quoi? Au nom de rien du tout. Troisièmement, mais il faut bien que l'extrême droite arrive aussi pour qu'on sache finalement s'ils sont mieux que les autres ou ils sont moins bons. Et on le saura rapidement. Quatrièmement, puisque l'extrême droite estime que le problème de la France, c'est les immigrés et les immigrés africains principalement, qu'elle arrive au pouvoir, qu'elle se débarrasse des immigrés et qu'elle débarrasse aussi l'Afrique de sa présence illégale, illégitime en Afrique. Car vous ne pouvez pas chasser les Africains de chez vous et vous envahir leur pays. Donc, de manière mécanique, le RN de Marine Le Pen et de Jordan Bardella sera obligé de rompre avec la France-Afrique, de quitter l'Afrique, de retirer ces multinationales qui n'ont pour qu'un seul objectif, spolier la richesse des Africains, à les rapatriant ici, type Orange, qui fait en Afrique des bénéfices 2 à 3 fois supérieurs à ses bénéfices dans le territoire français. Donc, l'Afrique a tout intérêt, les Africains ont tout intérêt à se mobiliser. Et les Africains à la double nationalité, les Africains qui ont la nationalité française, doivent aller voter l'extrême droite. C'est impératif et ça nous permettra justement de rompre avec ce lien incestueux et désavantageux qu'on a cru de manière naturelle
voir la fin avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est même finalement pire que les autres. Car c'est quand même lui qui a tenu des discours désobligeants à Ouagadougou. C'est quand même lui qui a inventé un sommet Afrique-France de Montpellier inutile, sans intérêt, qui est juste du saupoudrage. C'est quand même lui qui aujourd'hui encore prône l'hégémonie de la France en Afrique. Donc, vivement que le RN arrive au pouvoir et qu'on voit exactement quelle est sa capacité à pouvoir réorganiser ses rapports avec l'Afrique.